Et bonjour à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour la première partie de l'épisode 189 de Fire Emblem Heroes. Avec, bah du coup, on va continuer le marché d'automne, on va pas le finir même si j'ai assez d'orbes. Il restera que, je pense qu'on va en faire deux. Donc bon, déjà là, le focus qui, on va pas se mentir, qui a été excellent pour l'instant, puisqu'on a déjà eu Seadel et Timera, il manque Flynn et le duo. Donc si on a quelque chose, ce serait vraiment, ça ferait que ce focus devienne vraiment très excellent. Bah très bon quoi, excellent ouais, carrément. Bon on n'a pas que ça, bon focus longé, voilà. Je dis ça parce que bon, ces focus m'ont dégoûté. Retour au domaine 78 avec Irinis, Anand et Shinnon. Retour au domaine 42 avec Hindun, Lug et Fallen Corrin F. Il me semble que bah ouais les trois ont été refine. Nouveau pouvoir avec du coup Larsei, Shad, Tsubasa et Fear. Je vous avais montré lors de l'épisode 188 les refines. Je ne vais pas montrer celui de Shad, mais celui de Shad est quand même pas mal. Hein. Bon, il a... ils n'ont pas encore remis sa note, ont changé sa note, mais bon. Et nous avons bien évidemment le ticket d'arène. Bon, ici j'ai Tsubasa, j'ai Larsei, j'ai Fear, j'ai Shad, donc bah. Pas grand chose d'intéressant. Bon, le mieux c'est de focus le héros spécial, étant donné qu'il n'est pas disponible que dans les focus. Ok, super. Batus. Dommage de l'avoir en 3, hein, mais bon, comme ça. Ici, je les ai eu tout, je les ai eu beaucoup de fois aussi également. Bon, bah. D'accord, bon. Ça, c'est ce que j'appelle vraiment un début de tonitruant, c'est faux. Aline 1, 3 étoiles, bon. Bah ici, Irini, je l'ai une fois, non, je l'ai une fois, et Shinnon, je l'ai qu'une fois. Donc, bon, tout de suite, c'est un peu plus intéressant. Et malheureusement, le moins bon, c'est Anand. Ah bah voilà. Bon, Lena, c'est de la merde. On va pas refaire le débat sur les healers. Bon, bah, ça aurait été rapide. Hein. Bon, bah, allez, deux sessions ici. Ok. Okma, 3 étoiles, bon. Il est vrai que bon, là, on 3 étoiles et un 4 étoiles, c'est vrai que c'est peu, hein, mais bon, écoutez, d'habitude, hein. Ah, du 4, alors peut-être un 3ème Seadal. Non, c'est Lena. Bon, c'est pas fameux, hein, au niveau des 3 et des 4, il y a beaucoup mieux. Sachant qu'il manque fait en rouge, hein. Alors, le vert, le gris, excusez-moi, le gris, Serra. Sera jamais refine, ouais. Merci pour la blague. Sera jamais utile en jeu. Encore un 3 étoiles. Nique ta mère. Là, c'est gratuit. Non, mais bon, Serra, voilà quoi. Jouer Serra, bonne chance à vous. Hein. Et Nino. Bon, je m'en doutais un petit peu qu'on allait rien avoir. Au bout d'un moment, bon, la chance. On a été très chanceux au début du focus. Vous voyez bien qu'il y a un moment où il n'y a rien. C'est de la merde. C'est de la merde, mon colonel. Mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Guy. Bon, j'ai rien à dire. Rien à rajouter. Guy de Maupassant. On a trouvé des vannes hein, sur les persos. Un taux spécial, et c'est Reduzel. On a eu, y a pas. On l'a eu avec les tickets récemment. Bon, on a quand même eu un 5 étoiles. Bon, Reduzel qui est l'un des meilleurs persos qu'on peut avoir grâce au ticket d'arène. En vrai, il est quoi? Il est toujours tiers ce perso. Ouais. Donc ça va, on l'a.
Avoir un perso comme ça disponible, on va dire, dans les tickets, et on va dire entre grosses guillemets, facile à avoir en plus 10, c'est vrai que c'est sympa. Medusa l'Obsidienne, l'un des trois impériaux, ou plutôt j'étais. Je ne suis plus qu'un vieil homme. Bon bah, on continue sur cette belle lancée qui était le focus... Qui a été ce focus Halloween, hein, ça a été un bon focus. Ouais. Très bon focus, même. Mais il peut le devenir encore mieux. Ah bah, encore un Céadale. Trois Céadales, c'est dingue. Dinguerie, frère. Putain, mais ce focus Halloween, du... Rien à dire. Encore un Céadale, c'est le troisième. Je l'ai eu en deux fois en quatre et une fois en cinq. Bah écoutez, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Le jeu m'a enfin écouté. Dwyer, que j'ai eu énormément de fois quand il est arrivé. C'était un peu calmé. Et bon, c'est un peu dommage, hein, Dwyer. Bah dommage. En fait, il est pas si mauvais que ça, parce qu'il a des bonnes stats, mais bon. Et pour finir, du 3, Jacob, MDR. Surtout qu'il va réarriver dans le focus au filet réarmette, qui va être le focus retour de novembre. Donc, bon. Écoutez, hein, on va réavoir des Dwyer. Jacob et Dwyer dans la même session, c'est rigolo, ça. On pourrait le finir, hein, mais il me resterait 26 orbes. On le finit? Est-ce qu'on le finit? Bon allez, vas-y, on le finit comme ça au moins. Affaire réglée. Bon, bah, pas de Anna quoi qu'il arrive. De toute façon, c'était le perso que je voulais prendre en... Que je voulais prendre à la fin. Encore un Ogma. Non, vas-y, comme ça on le finit. Je récupère mes orbes pour le... Pour Peony. Qui sera du coup le focus de fin de cette vidéo. Celui, bon. Donc, allez. Si on arrive à avoir Flayne, comme ça. Bon. Ça arrivera pas, hein. On va se faire pourrir par les 3 étoiles. La base. Ceux qui ne. Vas-y, frère. Vas-y, faudrait être... Je l'ai dit, hein, je l'ai dit qu'on va être pourri par les 3 étoiles, hein, même pas un soupçon d'espoir ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est dégueulasse, hein, vraiment. Ce qui me foudroie, c'est que vraiment... Je vais pas ouvrir le débat, mais vas-y, je l'ai dit, hein, je l'avais call. Hein. Eti, dommage de l'avoir en 3. Bah dommage, parce que, en fait, je dis quand c'est dommage, parce que vraiment... Hein, c'est, tu utilises 2000 plumes pour avoir... Pour le remettre en 4, mais c'est chiant, j'aime pas moi personnellement. Je préfère économiser pour passer du 4 en 5, quoi. Sachant que ces persos sont dispo en 4. S'il y aurait des persos exclusifs en 3, j'ai rien, mais là. Je l'ai dit, hein, on allait être pourri par les 3. Hein. C'est trop chiant, hein, vraiment. Le taux devrait être réduit. Hein. Mais bon, vous connaissez ma position vis-à-vis de ça. 9, 3 étoiles. Pour seulement. 7, 4 étoiles. Bon, 7. Alors, je compte pas le Céadale parce qu'il compte pas dans le taux des 4 étoiles normaux. Non, mais bon, vas-y. On va pas ouvrir le débat, mais je pense que vous avez compris ma position. Le Céadale, on le. Bah, on pourrait le transformer. Il a plus de vitesse. Je crois que celui que j'ai déjà a plus de vitesse. Celui que j'ai déjà a plus de vitesse. Ouais. En vrai, je pourrais hein, le mettre en livret éphémère. En livret, comme ça, je le mets en. Il prend pas de la place, quoi. Pourrais, ouais, mais que je le ferai, non. Allez, c'est parti pour le duo. On aura eu Timera 2-3 fois Céadale. On n'aura pas eu Flay, mais bon. C'était un peu le perso esquivé, quoi. C'était pas le meilleur, mais bon, écoutez. On a le duo. Et on va pouvoir économiser pour avoir Peony au prochain focus. De toute façon, là, bon, focus légendaire, on a compris que je les esquivais. Le duo double Anna. Bonjour, bonjour, nous sommes Anna et Anna, des marchands venus de mondes différents. Nous allons remplir les poches du festival d'automne. Et un duo Awakening Engage, premier duo hein, pour Engage, parce qu'il n'y avait pas d'autres. Il n'y a pas d'autres duos. Ça
J'avais pas vu le nom de l'arme, sac de jour de paye, d'accord. Bon, on va finir cette partie avec le ticket. Bah allez, vas-y, rouge, faut changer. On a eu un bleu en queue spécial, donc vas-y, un rouge. Tiki Young, c'est de la merde. Je crois que je l'ai même pas en plus encore dans ma réserve parce que ben je l'ai mis en réserve plutôt. Je peux rester encore avec tout le monde, je suis pas obligé de dormir, c'est génial, mais est-ce que je dois encore manger tous mes légumes? Ouais, bon. Moins de PV pour plus de défense. Bon. On a essayé. On a tenté. Ça a rien, ça a pas marché. Je crois que ouais, elle est dans une réserve, la Tiki normale. Gérer les groupes. Alors ce qui est chiant. Bon, après des dragons rouges, je dois pas avoir des masses, mais bon. Ouais bah vous voyez, first try, je l'ai retrouvé first try. C'est que bon, les stats de Tiki, même en plus 10. Je pourrais vous montrer hein, les persos avec les dracofleurs. Mais déjà, avoir des dracofleurs, c'est tellement compliqué. Pourquoi je m'emmerde? Regardez. Regardez un perso full stat avec les dracofleurs. Parce que on l'oublie, hein. Mais les dracofleurs, c'est quand même là. Il n'y a qu'une stat qui dépasse 40. L'attaque. Et le PV, moi, le PV compte pas. Mais. Il y a le problème, quoi. C'est que même avec un plus 10, le perso, il a du mal, quoi. Alors qu'avec certains persos à plus 10, ça fait quand même hyper mal. Genre, c'est vrai que je le monte jamais, hein. Vas-y. Regardez quand même Lina, quoi. Ça a quand même de la gueule, hein. 63 d'attaque avec triple coup fatal, ça pique, hein. Vas-y, un dernier. Lucina Brave. Et quand même que ça a l'air. C'est quand même pété, hein. 64 d'attaque. Bref, c'était pour vous montrer ça, quoi. Alors maintenant, on va fusionner. C'est pour vous montrer à quel point les dracofleurs c'est utile, mais c'est tellement rare à avoir. Plus de vitesse. Alors là, s'il y a bien une stat que Duzel, il n'y en a rien à foutre, c'est sa vitesse. Hein. Plus 3, on l'a eu 4 fois Duzel. Alors je l'ai eu quand il est arrivé, et ensuite on l'a eu quand il est arrivé dans les... Ouais bon, je me doute un petit peu que ça aide la vitesse. Le plus 3, c'est tout le temps la stat la moins intéressante. Qui va passer plus 2, je l'ai eu que 3 fois quoi. Et voilà. Ça reste quand même compliqué. Hein. Voilà, on va la remettre en réserve. C'était juste pour la mettre plus 1. Ah oui, le Céadal. Vas-y, on fait ça pour finir. Alors, améliorer une étoile. Tac, tac, tac. De toute façon, franchement, les plumes. S'il y a bien un truc qui est pas compliqué à avoir dans le jeu, c'est les plumes. Hein. Franchement, s'il y a bien un truc dans lequel je galère pas à avoir, c'est les plumes. Hein. Entre les tournois, entre les arènes, tout ça. Ouais. Bon, il va passer plus 2. C'est la première fois que ça m'arrive de voir un perso. D'avoir trois fois le perso. Quoique non, c'est peut-être déjà arrivé. Trois fois? Ah non, hein. Souvent c'est j'arrive à les avoir deux fois, mais alors trois fois. Trois fois. Ah oui, j'ai pas montré. Bon, on va finir ça avec ça. Le perso resplendissant, c'est Chigoulé. Et le prochain, c'est Shena. Bon, je vais pas vous mentir qu'on s'est un peu douillé au niveau des persos. Des persos resplendissants parce que c'est des 4 étoiles. Désolé, mais bon, il y a un petit peu de douille. Hein. En plus, quand il te le donne, il a même pas son arme harmonie, son arme de base, bah, son nouvelle arme quoi. C'est un peu con ça. Pareil, hein, le prochain perso c'est Shena, donc Shena qui a pareil été refan tout ça, donc qui a son arme propre. Mais et, bah quand on va la voir, bah elle aura son arme
son ancienne arme, quoi. Ça, je trouve ça un peu nul, donner direct l'arme forte, quoi. Du coup, est-ce que ça va être très utile? Est-ce que c'est très utile? Il a combien de stats, Chigure, pour finir? Avec sa tenue resplendissante. Est-ce que ça va être très utile d'un plus 2 dans ses stats? 35, 40, 39, 29, 27, 42. Ouais, bon, il est quoi? Il est tiers combien? Il est tiers 3. Il est tiers 3, bon, c'est pas ça qui va le faire passer tiers 2. Bref, on va s'arrêter là pour cette partie. Donc la prochaine, bah, elle sera très courte. Pas très courte, parce que, ah, quoi que, c'est peut-être déjà la prochaine partie, peut-être la dernière. Hein. C'est possible, étant donné que ils enchaînent très vite. Hein. Quoi, c'est 2 semaines. Donc 2 semaines pour, bah, 1 ou 2 semaines. Ouais, bon, je sais pas si je vais avoir beaucoup d'or pour le truc. Pour le focus Peony, mais on verra bien. Ça arrivera, je pense. Ah, en régénère, c'est milieu du mois, donc c'est mi-fin du mois, quoi. Donc vers le. Je pense qu'il me reste 10 jours pour farm. Pour récupérer un petit stock d'orbes pour la session finale. Ouais, on verra. Peut-être qu'entre deux, il y aura les autres focus Halloween. C'est probable, c'est même fortement probable, c'est même qui va arriver. Je pense que dans les prochaines parties, vous aurez les focus Halloween. Bah, je sais pas, c'est vrai qu'il m'en manque beaucoup quand même. Bah, après, les persos Halloween, normal, il y a 8 focus Halloween. Hein, en comptant celui qui est actuel, donc ça fera 7, quoi. Il y a 7 focus Halloween qui devraient arriver. Ça m'étonne qu'ils n'aient même pas encore mis un, là. On verra. On verra. On va essayer, on va voir si on a de la chance, ça m'étonnerait, sachant qu'il y a des focus Halloween qui sont bien entamés. Il y en a où il n'y a rien, quoi, il m'en manque beaucoup. Mais on verra, allez, on se dit à bientôt pour la deuxième partie qui commence pour vous maintenant, avec les, j'espère, tous les focus Halloween. Bon, ça arrivera pas, mais on aura, je pense, quelques-uns. Allez, c'est parti. Heureux, deuxième partie, hein. Deuxième et dernière partie, parce que oui... Les deux focus se sont enchaînés, comme d'habitude. On connaît la chanson, hein. 10 jours entre les deux, donc forcément, bah, il n'y a que deux... Quoique, 10 jours, je dis ça, mais c'est plus, en réalité, 13 jours qu'il y a eu. Bref, programme de cette deuxième partie, le focus Symbiose, Peonion et Triandrac. Va-t-on continuer à avoir de la chance? Je ne sais pas. Je vous avoue tout, je ne sais pas, on verra bien. Si on a quelque chose, c'est bien. Si on n'a rien, bon, bah, c'est un peu décevant. Mais bon, c'était prévisible, toute la chance que j'ai eue. Le focus Halloween, il est terminé. Focus Retour et Dominaire 72. On peut avoir Sairi, Anna Awakening, on va dire. Parce que c'est... Bon, c'est Apothéosis. Anna et Annette. Retour et Dominaire 43 avec Eldegard, Dimitri et Claude. Abondance partagée, premier focus Halloween qui revient. Donc, c'est le focus d'IA... 2 ans, celui-ci. Il n'y a pas celui de... Je l'ai déjà moqué, celui de l'année dernière. Je sais plus. Bref, il y a Billet et Sotis en duo. Il y a Darren, Fallen Darren, Rhea et Kursnaga. Héros spécial x2 avec un dégât de chair en hein, côté gris, puisqu'il y a Brindal, Tiki adulte. Sinon, en coup de perso que j'ai pas, il me manque Bernadette en bleu. En vert, il me manque Ursula et en gris... En vrai, en gris, il y a deux Godchair, c'est vrai, il y a Ask, nouvelle année. Et en rouge, bon, c'est des 4 étoiles, donc bon. Nouveau pouvoir, on l'a déjà fait, et on a le ticket d'arène. Bref, on va commencer par les focus où j'ai déjà tout, genre ici. J'ai déjà tout eu, je crois que Sairi, je ne l'ai pas, plus 1. Donc bah, écoutez, Sairi, j'ai un doute. J'ai des doutes, je sais pas si je l'ai plus 1, mais bon. Ah bah on l'a tout de suite, on commence direct avec un 5 étoiles, c'est cool. Sairi. Je suis Sairi, la princesse de Chosin. Mla n'est pas une personne. Je sais plus si je l'avais plus 1, donc en vrai en plus c'est un bon perso, c'est un tier 1, donc c'est bon. J'arracherai le mal à la racine. Bon, je l'avais déjà, évidemment. Moins de vitesse pour plus de PV, c'est de la merde. Ok, on commence très bien, on aura quoi qu'il arrive 2 5 étoiles dans cette vidéo. Ici, et le dégât, c'est le plus intéressant des 3. Que du vert, bon, j'en demandais pas tant.
faut pas avoir de la chance tout le temps. Atlas. Et encore, on tombe sur un relatif bon 3-4 étoiles avec Atlas. Je rappelle, il me manque toujours fait, hein. En 4 étoiles. Ici, je connais pas les notes de ces persos. Je crois que c'est Darren. C'est gris, hein. Gris ou vert. Bah, de toute façon, gris ou vert, de toute façon. Bon, ce sera pas bleu, ce sera juste gris. Focus qui s'est pas très bien passé, je crois, celui-là. Bon, bah. Qui sera pas non plus exceptionnel, là. Forest. Dommage. Ici, on va le laisser pour la fin. Ah bah, il reste plus rien. Il reste plus rien. Bon. Alors, ce serait bien d'avoir du gris. Parce que c'est deux gotchers. Bon, je vais pas essayer d'invoquer énormément. Ah bah, il n'y a pas de gris. Super, merci. On va invoquer bleu. Ça va, okay. Ça va pas invoquer bleu. Ça va ok pour essayer d'avoir un 4 étoiles en focus. Null. On va tester d'avoir du gris en vrai. C'est qui bleu? Ah oui, c'était Shamir, mais bon, je l'ai déjà eu. Et le bleu, c'était bien net. Ok, bon. Ça me fait un peu chier d'utiliser des orbes. Oh, mais nique ta race. C'est chiant ça, hein. C'est vraiment chiant. T'essaies d'avoir une couleur, t'en as pas, parce que, vas-y, nique ta mère. Ah, c'est chiant, je déteste ça quand ça arrive, ça. Du coup, c'est un focus à 6%. Méric. Du coup, je vais gaspiller des orbes pour rien. Oh, ça m'énerve. Tout ça parce que le jeu est pas capable de faire un truc qui change la couleur, quoi. Voilà, je voulais juste tester un gris. J'ai dépensé 10 orbes à cause de ça. Kagero. Bon, tout ça pour rien. Bon, bah, allez, laisse tomber. Laisse tomber. On va pas dépenser. Dommage, hein. Brindaltiki, c'est le deuxième meilleur perso gris. Ici, ça serait bien d'avoir quelque chose. On va faire 2-3 sessions. Comme il n'y a pas de gris dans ce focus. On va avoir beaucoup de gris, hein, je vous préviens. Vous connaissez la chanson. On connaît la chanson. Pas de gris. Kiragi, bon, ça va encore. Il n'y a pas de gris. Qu'est-ce qu'on va avoir? 20 milliards de gris. Comme ça, on a vraiment le seum. Alors en rouge, le rouge et le gris et le vert sont les couleurs les plus intéressantes, bien évidemment. Lilina. C'est les deux couleurs les plus intéressantes. On peut avoir un Triandra par exemple, qui serait en vrai pas mal hein, d'avoir, mais bon. On va tomber sur 1 milliard de 3 étoiles avant ça. Stal. C'est typiquement le genre de focus où ce serait bien d'avoir du full vert, quoi. Mais bon, on connaît la chanson. Béni. Ça serait bien, hein, mais bon, ça arrivera pas. Hein. Malheureusement, il y a des trucs dans le jeu qui sont vraiment mal pensés, mais... Genre, bon, écoute, c'est pas grave s'il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris, on va dire, dans les couleurs, quoi. Libra. Vous savez, hein, c'est pas une nécessité hein, de mettre toutes les couleurs dans les focus, quoi. Genre, si vous mettez 3 couleurs, mettez que la troisième soit un peu aux F-tiers, quoi. Allez, premier ticket. Je les colle, hein, qu'on allait forcément avoir du gris. Hein. C'est chiant, hein, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Après, c'est, on va dire, négligeable, étant donné que c'est qu'un seul gris. Sezuna. Tetsuna plutôt. Après, on a beaucoup de rouges. Ça veut dire qu'on a Triandra. Moi, ça me dérange pas. Moi, mon but, c'est d'avoir au moins un perso symbiose pour voir à quoi il ressemble. Si, je sais à quoi il ressemble. Anna. Ça va, Fate, tranquille. On vous dérange pas trop. Parce que là, sur déjà cette personne, on en a eu 3 de Fate. Hein. Ça, il devrait y avoir plus de verts. Ross, bon. Bah, ça serait logique vu qu'il y a 2 persos verts, donc ça serait logique d'avoir plus de verts que d'autres couleurs. Mais bon, c'est très bizarrement conçu, hein, les systèmes de génération d'orbes. C'est du 4 ou plus. Ceph, bon.
C'est un peu ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de différence entre du 4 et du 5. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Hein. Linfan. Bon, full 4. Ce qui est la grande majorité du temps qui doit arriver. Bon, pas de gris là. Par contre, on a beaucoup de rouge. Ce serait bête. Ça, c'est, je connais ce genre de pattern où on a full couleur, full une couleur et qu'on va pas avoir le perso en question. Fear. Je connais, hein, je connais. Bon, je sens que ça va. On va rien avoir. Quelque chose me dit qu'on va rien avoir. Au bout de X invoque, on va rien avoir. Je sais pas, j'ai un pressentiment comme ça. Après, bon, on peut. Il peut toujours y avoir une surprise. Mais bon, ouais, bon. Je me doute un peu qu'on va rien avoir. C'est dommage, hein. Bah écoutez, il fallait bien que ça s'arrête, hein. Les bons focus, et en plus, c'est con, ça. C'est toujours dans les focus inutiles, quoi, que j'ai des dingueries, et dans les focus de merde. Voilà, bah écoutez. Hein. On va rien avoir parce que le jeu très bizarrement confus, hein, rappelons-le. Hein. Voilà, full caca. C'est vraiment bizarre. Bon. Regardez, là on a eu 5, on a eu 5 4 étoiles et là on a eu 4 3 étoiles. C'est voilà, c'est le jeu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? En plus, c'est des. Vraiment, pour la plupart, c'est vraiment pas fou. Hein. Bon, allez, hein, dernier ticket. Comme par hasard. Et ça, c'est faut arrêter. Hein. Vraiment, je l'ai dit, hein, les focus à trois couleurs, c'est de la merde. Faut arrêter avec ces trucs. Parce que tu vas tout le temps avoir la couleur qui sert à rien, qui. Voilà, là, le pourri. Je suis obligé d'invoquer pour arriver au 40. C'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Faut arrêter avec ça. Hein. Parce que tu vas être pity. Voilà, ça a un coup à être pity break pour rien. Encore un Kiragi, bon, ailleurs, pourquoi pas. En vrai, je déteste les focus comme ça parce que tu vas avoir tout le temps la couleur qui t'intéresse pas. Ça brille bien. Putain, mais franchement, faut vraiment être quelqu'un qui déteste les gens pour avoir fait un système qui a pas de distinction de couleur entre le 4 et le 5, quoi. Ils en ont fait entre le 3 et les autres, mais par contre, le 4 et le 5, non. Mustapha, bon bah un 0. Ça sent le 0 pointé. Hein. C'est reparti. Voilà. C'est reparti comme avant. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Comme quoi, il suffisait juste de dire, allez, c'est fini, on a eu des focus, deux focus chanceux. C'est dingue, hein. La plupart du temps dans ce jeu, c'est ça. Hein. Vraiment, il se passe rien. T'as rien. T'as rien, t'as rien, t'as rien, t'as rien. Il y a des jeux où t'invoques, il suffit d'invoquer, allez. Virion, Osef. Il suffit d'invoquer un petit peu et t'as quelque chose. Dans ce jeu, c'est vraiment aléatoire de fou. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est un gacha. Mais je veux dire, c'est aléatoire de fou. De fou. Des fois, t'as des trucs tout le temps et des fois, t'as rien. Raison, on a mis un taux extrêmement bas et qui augmente vraiment très légèrement. Bref. C'est en fait le problème. C'est que c'est mal pensé. Leur jeu, il commence à. Il est. De toute façon, on revient au même problème. Hein. Le jeu est mal pensé. Hein. 3%, frère. Tant. Hollywood. Il n'y a rien, frère, il va rien avoir. Hein. C'est dingue de se dire ça, mais il n'y a rien. Ah! Bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ouf. On a eu quatre choses. Ouf. J'étais très, très, très. Contraire d'optimiste. Putain, je suis obligé de faire une recherche. C'est quoi le contraire d'optimiste? Pessimiste. J'étais très pessimiste vis-à-vis de ce focus et on arrive à en voir quelque chose. On a eu Peony. Wow. Ça va, bon. Ça me rassure.
Bonjour, je suis Péoni, ces habits sont merveilleux. Ils me rappellent qu'on peut être n'importe qui dans nos rêves. Bon, ça va, on a eu de la chance. En plus, on a eu Péoni. Ça va. J'ai eu très très peur. Bon, à la moindre vitesse pour plus de défense, c'est de la merde. Donc voilà, une aptitude symbiose. Ça veut dire que je peux transmettre vœu attaque à n'importe lequel de mes persos. Plus ses attitudes level 4. Bon, il faut dire, le B, ça sert pas à grand-chose. Le B, ça sert pas à grand-chose. Parce que, bah, c'est une aptitude de danseuse. Le C, à la rigueur, pourquoi pas, hein. Et par contre, c'est l'OA qui est le plus important. Attaque Speed Unit, c'est bien. Et ben voilà, notre premier héros symbiose. Nouveau type de héros. Les persos, en anglais, c'est Ethnid. En symbiose. Alors, c'est très nul, hein, de dire en symbiose, hein. Le nom des persos, ouais, c'est en symbiose. Bon, on a eu quelque chose, ça va, ça me rassure. On a galéré, mais... Encore, en vrai, non. C'est au bout du dernier ticket qu'on a eu quelque chose, donc en vrai, ça passe encore. Donc, la vérité, ça passe. On pourra prendre, du coup, Triandra. Si on n'a pas... si on l'a pas avant. Non, mais je maintiens ce que je disais, hein, c'est... Bon, on a encore 34 orbes. Encore 34 orbes, il restera 26 orbes à avoir pour finir ce focus. En vrai, ce qui est chiant, c'est que c'est un perso... En fait, le problème maintenant qui commence à arriver avec les focus comme ça, normaux, c'est que tu commences à avoir plein de types de persos, quoi. T'as les Ascendant, donc imminent en français, t'as les persos mystérieux et t'as les persos symbiose. Donc ça veut dire qu'il va y avoir les focus avec les trois, mais peut-être les trois types. Bon, en vrai, j'aurais pas dépensé mes 10 orbes dans le focus. Bah en même temps, le jeu serait pas con. Voilà, hein. Donc je maintiens ce que je disais, c'est la faute du jeu. Non, vraiment, vraiment, à la rigueur qu'il laisse un taux faible, pourquoi pas, mais qu'il rajoute le moyen de changer la couleur d'un orbe. En vrai, ça arriverait. Putain, tu gagnerais tellement des économies d'orbes. Genre, typiquement, dans ce genre de focus, là où il y avait les gris, je change la couleur du... Je retire le gris, je mets une autre couleur. Au pire, ils le font aléatoirement. Je sais pas, vraiment, ils font... Ils font ce qu'ils n'importe... Ils font, vas-y, un truc comme ça, mais... Mais... Que t'aies la possibilité de changer l'orbe au moins une fois par session, ça serait une feature de fou malade. Genre, t'aurais pas la frustration d'invoquer sur une couleur qui t'intéresse pas, quoi. Je comprends pas que ce soit même pas arrivé dès le début, ça. Je regarde un petit peu les persos qui me manquent. C'est pour ça que vous me voyez. Ah oui, il manque AZ. Je crois que... Attends. Parce qu'il me semble que dans le rouge, il y a un perso que j'ai oublié de rajouter. En vrai, attendez. Dans le bleu, bon, il me manque le duo, mais à part ça. Chrome, Saint-Chevalier, je l'ai pas. Sylbert, je l'ai pas. Ça fait 2. Luc 3. Azel 4. Camilla 5. Ouais, Camilla 5. Ouais, il me manque 5 persos rouges. Ça va pas changer. En bleu, il manque le duo qu'on a vu en haut. On suis mis à 2. Perceval, c'est bon. Ouais, il manque 4 bleus. Donc 5 rouges et 4 bleus. Attends, mais je crois que j'ai oublié de rajouter Azel. Hein. Dans ma... Ouais, il me manque 5 rouges. Bon, bah, c'est un bavoké rouge maintenant. Oui, j'ai oublié de rajouter Azel dans mes persos qui manquaient. C'est vrai que je l'ai pas. Hein. Donc il manque 4 bleus, 5 rouges, 3 verts et 1 gris. 3 gris, ouais, les verts, c'est Giric, Olven et un autre perso que j'ai oublié. Bon, allez, c'est parti. Le ticket, bon bah quoi qu'il arrive, j'aurais invoqué rouge. 5 rouges, ouais, qui manque. Bon, certains, vas-y frère, bon, c'est des vieux persos et. Roy, bon. Roy Brave. Bon, c'est pas foncièrement ouf en vrai. C'est pas l'un des meilleurs brave en vrai, donc c'est... Bon, ouais, écoutez, on le prend. Plus de vitesse pour moins de raise. Ok.
Bon, après, le problème, c'est que le rouge, c'est vrai que c'est la couleur là, que j'ai invoquée le plus, il me semble. Hein. Bon, là, on a eu deux persos rouges et un vert. Bon, fusion de héros, bon, conclusion. Oh, ça va, en vrai, hein, je peux pas me plaindre, j'ai eu Peony. On aura Triandra la prochaine fois. Du coup, on l'a eu que trois fois, parce que le plus, il y a un plus 1 qui vient de sa tenue resplendissante. Bon, il y a plus d'attaque. En vrai, attendez, on va regarder avant de fusionner. En vrai, ça irrite, c'est bien parce qu'il me semble que je l'ai pas plus 1. Donc, la vérité que c'est pas si mauvais que ça. Alors, bref, Roy, c'est quoi le mieux? C'est plus d'attaque ou plus de vitesse? Là, plus de... Là, c'est plus de vitesse. J'ai eu le meilleur IV possible avec ce Roy là. Bon, bah écoutez, hein, s'il est joué plus de vitesse. Hein. C'est vous qui le dites, hein. On peut passer plus 3. Ensuite, Sagri. Qui doit être pas un plus 1. Du coup, ouais, elle était pas plus 1. Bon, ok, dans les deux cas, ils sont plus de PV. Bah, c'est bien, on a eu Sayeri. C'est bien ce qui me semblait, je l'avais pas plus 1. Et du coup, elle est passée à plus 1, c'est cool. Mon perso en plus de ça, donc ça fait plaisir. Je l'ai montré chez Gouret resplendissant. Je sais plus. Je vous le remonte. Chez Gouret, le prochain, ouais, je crois que c'est Sheena. Donc encore un 4 étoiles. Ils font un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on peut fusionner les deux Estia, hein, de toute façon. Du coup, Estia est disponible en 4 étoiles. C'est ça l'histoire. A priori, c'est ça. Du coup, on va remettre le niveau 40 comment? Au Roy. Bon, en vrai, je peux pas me plaindre. Hein. On a eu Peony. C'est pas foufou, hein, Roy, hein, faut pas se mentir que... Faudrait qu'il rajoute des aptitudes nouvelles. En plus, c'est un rare perso à avoir élan victorieux dans son set. C'est dommage. Après, il a des aptitudes. Voilà les aptitudes, mon grand. Ouais, faudrait que je lui mette son... Faudrait que je lui mette son refine, en vrai. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bon, on a eu Peony, on a eu Anna, ouais, on a eu deux unités volantes à la hache. On a eu quoi? On a eu Msairi, on a eu Diuzel. Et après, je saurais pas vous dire qui c'est qu'on a eu dans la première partie, mais bref. Vu le temps de farm entre les deux parties, je peux pas m'estimer malchanceux. On a eu le focus Halloween qui s'est bien passé, le focus de Peony de Triandra qui se passe ok. En vrai, il est ok. Parce qu'on a eu un 5 étoiles focus. Pour qu'il soit très bien, il faudra en avoir un autre qui soit hors focus, hors spécial, tout ça. Bah, focus taux spécial, je veux dire. Et en 4, qu'est-ce qui serait bien? Ouais, non, en vrai, en avoir un de plus, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, en vrai. Là, le taux, il est repassé à 3. Je sais pas, en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour... Déjà, oui, le reroll, vraiment. Moi, je trouve ça pas déconnant, hein, comme idée, hein, franchement. Surtout dans ce genre de focus à 3 couleurs. Hein, vraiment, quand tu tombes sur 2 gris... Bon, ok, c'est chiant, mais ça passe encore. Un gris, ça passe encore, mais quand t'as 4 gris... Et t'as pas de perso à gris, bon, ça te fait chier quoi. Tu dépenses plus d'or, ça fait chier quoi. Non, je trouve que c'est, ça serait pas déconnant de passer à, d'en rajouter cette feature. Hein. Vraiment, ce serait pas déconnant hein, de mettre ça. Ensuite, ouais, vraiment. En vrai, baisser le taux quand t'as un perso, je trouve que c'est chiant quoi. En vrai, laisser le taux en vrai comme ça au moins. Justifier un taux faible au début, puis au bout d'un moment. Bon, après, c'est vrai que ce serait chiant, quoi. Non, en vrai, non, c'est vrai. Non, en vrai, ouais, non, passer à 4, 4%. 4% au 2, ça fait 8%. Plus le taux spécial à 3, ça fait 11.
T'as une chance sur 10 d'avoir un perso. Parce qu'en fait, le problème de ce jeu, on en revient toujours au même, hein, c'est que tu farmes et que tu peux passer des jours et des semaines à farmer pour au final rien avoir. Parce que bah, c'est de l'aléatoire, bien évidemment. Mais je veux dire, je sais pas, pour invoquer 5 persos d'affilée, pour finir une session, il faut 20 heures. 20 heures, c'est. Voilà les ressources, quoi. Non, vraiment, faut, je pense. Soit tu réduis le nombre de. Après, avec les tickets, t'es qu'à 15, c'est vrai. Mais, je sais pas, je trouve que ça. Tu farmes beaucoup pour pas avoir une maigre chance d'avoir quelque chose, je trouve. Et forcément, bah, ça t'incite à passer à la caisse, quoi. Après, bon. Le jeu rapporte des milliards, quoi, mais. Je sais pas, non, en vrai. Je pense qu'ils gagneraient toujours des milliards si. S'ils passaient, en fait, leur stratégie à. Autant les persos sont faciles à avoir, autant lui mettre plus 10, bon bah voilà, là, il va falloir mettre énormément de ressources quoi. Je sais pas, moi je pense qu'il faudrait peut-être plus se baser sur cette stratégie que baser sur on est à 3%, t'as pas de chance, bah tu vas passer 80, tu vas dépenser 200, 300, 400 euros sans avoir un seul perso. Je trouve ça vraiment très très con quoi. Surtout sur les légendaires, hein, vraiment. Je trouve que le taux des légendaires est pas représentatif de la réalité. Hein. Genre, bah le taux, il a quoi? Il a 8%, je crois. 6-8%. Bah, franchement, tu le sens à peine. Hein. Bref, ce serait bien. Mais bon, ça arrivera jamais, comme je le dis. Hein, ça fait longtemps que je dis ça. Le jeu souffre à mes yeux de... Vas-y, t'as pas de chance. Bah, t'as rien, quoi. Tu vas pas... Comme je l'ai eu en été. T'as rien, bah voilà, tu vas devoir passer à la caisse. Et si t'es pas un joueur free-to-play, t'as pas les moyens. Bah t'es un joueur free-to-play, t'as pas moyen de mettre de l'argent dans le jeu. Bah t'es baisé, tu passes à côté de perso intéressant. Donc voilà. On se donne rendez-vous du coup, bah là, je pense que dans la prochaine vidéo qui sera à la 190, on aura. On aura, je pense, les autres focus Halloween. Attendez, il me semble, il manque le focus Halloween de. Parce que là, on a eu celui de 2 ans, mais celui de l'année dernière, il est pas là. Ouais, c'est bizarre. Bon, on finira quoi qu'il arrive le focus de Pioneer Triandra. On aura très certainement Triandra. On aura les deux focus symbio, c'est cool. Après, si on a Triandra, bon, bah, on prendra Sonia. Et si on a pas, si on a eu les deux, bon, alors là, vraiment, ça me paraît peu probable. Mais sait-on jamais, bah, on prendra Lysen, quoi. Bref. Et si on a les trois, alors là, vraiment, si on a les trois, ça m'étonne énormément. Bah on reprendra, je sais pas, soit Triandra, soit Peony, je sais pas. Mais c'est pas impossible, sachant qu'il y a, ça va jusqu'au 120 invoque. Bon, personne ne va jusqu'au 120 invoque à part avoir mis, à part une baleine. Aucun joueur free-to-play, à part avoir économisé pendant un an, ne peut se permettre d'aller jusque, déjà 40 c'est compliqué, entre grosses guillemets. 80, bon bah là c'est mort, et 120, bon vas-y frère. C'est impossible. Bref, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera sans doute la conclusion, la dernière partie, ce sera sur le focus ninja. Qui sera aussi un très bon, qui est un très bon focus. Donc voilà. On espère qu'il soit chanceux. Qu'il soit. Allez, vas-y, comme le focus là. Comme ça. Deux persos, moi perso, je trouve ça bien. Allez, sur ce, à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.